Sur Wish, j'ai acheté des graines un petit peu spéciales, des fraises géantes. J'ai mis des Lidl 2020, des Villa Verde 2019 et des Lidl 2018. Et là encore, il y en a beaucoup plus. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, on va voir l'impact de la taille du pot sur la croissance. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais tester des graines que j'ai achetées chez Lidl. Il y a de la laitue paumée. Vous avez les différentes informations, je vous invite à mettre pause. De la courgette diamant. De la tomate Hildares, de la tomate cerise et de la tomate en grappe. On est le 15 mars et on commence les semis. Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas la main verte, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Surtout, n'hésitez pas à mettre des conseils en description de la vidéo. Ici, je vais planter des graines Lidl. Ici, je vais planter des graines Wish. Sur Wish, j'ai acheté des graines un petit peu spéciales, des fraises géantes, des pastèques carrées, des oignons géants. Il y a également des graines surprises parce que j'arrive pas à identifier le colis. Alors là, on est à l'étape semi, entre 15 à 20 degrés et à 1 cm de profondeur. Ce sont des graines récentes, date de conditionnement en 2020 et date limite d'utilisation décembre 2022. Là, vous voyez comment ça se présente. On va pas faire le système de sélection. Normalement, il faut planter 3 graines en même temps et garder la meilleure. Là, on va vraiment les planter une par une et on va voir ce que ça va donner. Faites attention, le conditionnement des graines est vraiment différent. J'en ai fait tomber par terre. Là, par exemple, les courgettes, elles sont directement mises dans le paquet. Le 1, c'est la courgette. J'en ai mis 4 à ce niveau-là. Là, il y a 1200 laitues. Les graines, elles sont toutes petites. Au niveau des tomates, c'est 10 à 13 plants. On va voir si Lidl a été généreux avec moi. Alors, j'en ai beaucoup plus. 1, 2, 3, 4, 19. Soit pratiquement le double. Normalement, il y a 5 plants à l'intérieur. Et là encore, il y en a beaucoup plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. Alors qu'ils disent bien que le contenu suffit pour 5 plantes. Là également, ils disent 25 plantes, alors qu'il y a beaucoup plus de graines. À mon avis, Lidl compte le fait qu'on en mette 2 et qu'on fasse une sélection. Donc là, je vous fais un gros plan. Comme ça, si quelqu'un veut compter, bah, il a la photo. Au fond, on a mis 4 courgettes. Après, on a fait à chaque fois 5 graines. Il y a 5 laitues. Et après, il y a 5 tomates à chaque fois. Ce sont les oignons géants. Vous voyez un petit peu comment ça se présente. Les graines de frais, c'est vraiment trop petit. Là, je vais devoir en mettre plusieurs. Là, vous voyez la pastèque carrée. En tout cas, les graines, elles ne sont pas carrées. 6 graines d'oignons géants. Au niveau de la fraise, j'en ai planté plein. C'était tellement petit que j'en ai mis plusieurs. Donc là, je vais devoir faire des sélections. Ici, on a la pastèque carrée. Et là, on a les graines inconnues. Là, c'est le Lidl et là, c'est le Wish. Là, ça fait une semaine. Au niveau des graines Wish, il n'y a absolument rien du tout pour l'instant. Au niveau des graines Lidl, ça commence. Je sais plus du tout ce qu'on avait planté, mais là, vous voyez, ça commence à sortir. Et là également, ça commence à sortir. De mémoire, j'avais un doute d'avoir planté 2 graines. Et là, on voit qu'il y en a 2 qui sortent. En tout cas, Wish, rien du tout. Lidl, ça commence à sortir. On est au 14e jour. Alors, du côté de Lidl, on voit que ça commence à bien pousser. Du côté de Wish, Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a quelques petites choses qui poussent. Côté Lidl, ça pousse bien. On voit que les courgettes, il y en a 3 qui sont sorties sur les 4. Les courgettes, on va les replanter aujourd'hui. Au niveau de la laitue, on voit que ça a plus de mal à pousser. Après, c'est peut-être de notre faute parce que finalement, parfois, on n'a pas arrosé tous les jours. Et il se pouvait très bien que le sol soit trop sec. Et la laitue a besoin d'un sol bien humide. Du côté de Wish, il n'y a pas grand-chose. Ça a vraiment du mal à pousser, hein. Là, vous voyez, il y a juste ça qui pousse.
Tout ce que j'avais inscrit, ça s'est effacé, donc je sais plus du tout ce que c'est en fait. Si vous avez une idée, en tout cas là, je sais pas du tout ce que c'est. Au 14e jour, on va également rajouter de la laitue Lidl. Date limite, c'est décembre 2020. Et c'est sous forme de ruban graine. Vous voyez, ça se présente sous forme de 3 rouleaux. Vous voyez, ça se découpe. Comme ça, l'espacement est déjà fait. Ensuite, il faut arroser généreusement. Alors, dans ce bac, on a planté des radis Lidl. C'est ce type de radis. Et date limite, c'était décembre 2020. Donc là, vous voyez toutes les racines qu'elle a pu faire déjà. Donc là, ce sont des graines Lidl plus anciennes. Et la date limite, normalement, c'est décembre 2019. Donc on va faire un petit test à ce niveau-là. Par contre, je vais mettre cette fois-ci 2 à 3 graines, étant donné qu'elles sont quand même anciennes. Là, c'était marqué 5 à 6 plantes, et là, j'ai vraiment que 6 graines. C'est un paquet plus ancien. Ce qui va être intéressant de voir si des graines en fin de durée limite d'utilisation finalement vont donner des choses ou pas. Les courgettes Lidl, comme vous pouvez le voir, elles continuent à grandir. On va les rempoter. Pour la vidéo, on essaye de faire semaine par semaine. Par contre, au niveau des tomates, il aurait fallu qu'on les rempote avant. De manière générale, ça pousse bien. Au niveau de la salade, c'est compliqué. Ici, on a planté des graines des années précédentes et on voit que ça pousse difficilement. Vous voyez, il y a des betteraves qui semblent pousser, mais c'est compliqué. Au niveau des graines Wish, on est mal parti, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, au niveau de la salade en ruban, vous voyez, pour l'instant, il n'y a absolument rien du tout. Alors c'est vrai que c'était pas des graines de cette année, et là il n'y a absolument rien du tout. Là c'était des radis Lidl et c'est en train de bien pousser. Et là c'était de la salade qu'on avait achetée en barquette. On va faire un test afin de voir l'impact de la date de conditionnement. Là j'ai les graines Lidl, celle-ci, a priori ça pousse bien, c'est du 2020. J'ai ces mêmes graines Lidl 2018. Par contre, je n'ai pas des graines Lidl 2019. Je vais planter celles-ci à la place. On les avait achetées l'année précédente, en 2019. Comme ça, on va planter des graines de 2018, 2019 et de 2020. Comme ça, on va voir si des graines plus récentes, finalement, poussent mieux ou pas, ou si ça n'a pas d'impact. Voilà, donc là, j'ai mis des Lidl 2020, des Villa Verde 2019 et des Lidl 2018. En sachant que les Lidl, c'est exactement le même type de graines. J'ai mis 6 graines par année. Alors, au niveau des courgettes Lidl, vous voyez, c'est en train de bien pousser. Mais en tout cas, elles sont très jolies. Alors, concernant les tomates Lidl, ça pousse également, vous voyez. Donc, les tomates, ça continue à pousser. Au niveau de la salade, je pense que c'est pratiquement mort. Les courgettes 2020, en une semaine, vous voyez, elles sont déjà sorties de terre. Les 2019, c'était pas une marque Lidl, elles ne sont pas encore sorties de terre. Et les graines Lidl 2018, vous voyez, elles commencent à sortir. Donc on va voir comment ça va se passer dans la suite du test, mais vous voyez, planter des graines récentes, bah finalement ça pousse plus rapidement. Vous voyez, en une semaine, là les graines Lidl de 2018, elles commencent. Donc au niveau des graines Wish, vous voyez, c'est mal barré, il y a quand même des choses qui sont en train de pousser. Donc au niveau de la salade en ruban, c'était pas des graines de cette année, et il n'y a absolument rien du tout qui pousse. Au niveau des radis, ça continue à pousser. C'était des petits pots de salade qu'on avait achetés et également c'est en train de bien pousser. Vous voyez, c'était des barquettes comme ça. Alors les courgettes Lidl, vous voyez, elles continuent à pousser. Là on voit même des petites fleurs qui arrivent. Donc, au niveau des courgettes, ça semble bien parti. On va les mettre sur un pot plus grand, je pense. Donc les tomates également, vous voyez, ça se passe bien. Elles continuent à bien pousser. Elles aussi, il faudrait qu'on les rempote. Vous voyez, au niveau des tomates. Allez, pour vous donner une petite idée, on est pratiquement sur du 16-17 cm. Alors au niveau des graines Wish, on voit que c'est pas génial du tout. Et il y a celle-ci qui pousse, mais ça reste quand même petit. Il y a ça qui pousse, mais également, je sais pas ce que c'est. Donc là, c'était les graines Lidl de 2020.
Là, c'était des graines d'une autre marque de 2019. Et là, c'était les graines Lidl de 2018. On voit que les graines 2020 poussent plus rapidement que les graines des années précédentes. Vous voyez, les graines de 2020 ont une semaine d'avance sur celles Lidl de 2018. Si on compare à des graines d'une autre marque, on voit que les graines Lidl 2020 ou même 2018 ont poussé beaucoup plus rapidement. Regardez, là c'est la graine de 2019 et là c'est 2018 Lidl. Et là c'est 2020 Lidl. Donc que ce soit les courgettes Lidl ou les tomates Lidl, en tout cas ça pousse bien, il n'y a pas de problème. Au niveau de la salade, c'est plus compliqué. Là, on voit qu'il n'y en a qu'une seule qui finalement aura pris. Au niveau des graines rubans, on n'a absolument rien eu. Au niveau des radis Lidl, ça pousse bien, vous voyez. On a réempoté les courgettes, les tomates Lidl. Étant donné que les salades étaient mortes, finalement, au lieu de réempoter dans plein de petits pots, on a tout mis ici. On a mis les tomates Lidl. Et là, c'est simplement pour test. Ce sont les courgettes 2020. Les graines 2020 qu'on a mis directement dans un grand pot. Et les autres courgettes 2020, on les a mis dans un petit pot. Comme ça, on va voir l'impact de la taille du pot sur la croissance. Les 2020 sont dans des pots bleus. Là, on a mis la salade. Alors, au niveau des courgettes de la première heure, vous voyez, très jolies. Elles poussent bien, vraiment aucun problème au niveau des courgettes. La semaine dernière, on les a mis dans des pots plus grands, et là, immédiatement, elles ont vraiment grandi. Les tomates, en tout cas, vraiment très jolies. La laitue, la seule qu'on a réussi à voir. Donc là, c'était les courgettes qu'on avait plantées au même moment. Là, ce sont les 2020. Elles n'ont pas trop aimé le changement de pot, finalement. Alors, est-ce qu'on a trop arrosé ou pas? Mais elles n'ont pas la grande forme. Les 2018 qu'on avait laissées ici, finalement, elles s'en sortent mieux. Les 2019 d'une autre marque, elles sont pas très jolies, hein, vous voyez. Elles ont du mal à pousser. Par contre, dans le bac, on avait mis trois autres 2020. Là, par contre, elles se sont beaucoup plus plu ici. Vous voyez, elles ont bien grandi. Là, c'est une 2020, vous voyez. Elle a bien poussé. Également, au niveau des tomates, on a un bon résultat. Vous voyez, au niveau du bac, ça se passe assez bien. Par contre, au niveau des petits pots, là, on s'est un petit peu loupé. Concernant les plantes Wish, vous voyez, là, ça continue à pousser. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Donc, en tout cas, au niveau de Wish, c'est vraiment pas génial du tout. Bon, les amis, c'est la catastrophe.